Ah, allô, grand-maman. Allô. C'est quoi ça? C'est deux, trois petites gâteries pour plus ça. C'est pas nécessaire, voyons. Oh, ça me fait plaisir. Tu sais, grand-maman, des sacs en plastique, c'est pas vraiment super pour l'écologie, hein. Ce serait peut-être une bonne idée que tu prennes des sacs réutilisables, là. Ben, voyons, Thomas. Ben, là, c'est vrai. Ben non, laisse tomber, Nathalie, il a raison. Non, tu vois? C'est pas parce que vous avez été élevé en gaspillant toutes nos ressources naturelles que vous pouvez pas changer, là. Ben là, Thomas. Ben quoi? La couche d'ozone, puis les forêts qui disparaissent, puis le réchauffement climatique, t'en fais quoi? Ben, t'sais, on connaissait pas ça, l'écologie dans notre temps. Ben, je le sais, ça se voit, parce qu'on peut pas dire que vous êtes vraiment retenu, là. Ok, c'est correct, là. Ben là, un peu de conscience environnementale n'a jamais fait de mal à personne, là. Surtout que, comme c'est là, c'est notre génération qui va payer pour votre gâchis. Oh, c'est vrai, mais dans notre temps, on pensait pas à ça. Mais, par exemple, on buvait pas d'eau dans des bouteilles en plastique. On buvait l'eau du robinet. Puis des bouteilles en plastique, on n'en avait pas. Le lait, les boissons gazeuses, là, toutes les bouteilles étaient en verre. Puis on les retournait au magasin où elles étaient lavées, stérilisées, puis vraiment recyclées. Puis on prenait pas non plus la voiture pour aller à l'école ou au centre d'achat. On marchait. En fait, on prenait pas ce que j'aimais la voiture, hein, sauf le dimanche. De toute façon, pourquoi on serait allé au centre d'achat, hein, puisque les plus vieux passaient leurs vêtements aux plus jeunes? Faut dire que le linge usait moins vite parce qu'on le séchait sur la corde, pas dans le sèche-linge. Bon, on n'avait peut-être pas vraiment de mérite, là, parce qu'on n'avait pas de sèche-linge. Puis le pire, c'est qu'on compostait pas plus qu'on recyclait. Mais de toute façon, en général, on n'avait pas grand-chose en trop, fait qu'on mangeait tout ce qu'on avait. Mais t'as raison, Thomas, on n'était pas écologiques, puis je devrais pas prendre des sacs en plastique. Ah, puis ton grand-père, là, il changeait pas de rasoir chaque fois qu'il se rasait. Non, il faisait juste changer de lame de temps en temps. Ouais, ben, c'est vrai que, dans le fond, il peut encore faire un petit peu, là. Ah oui, je pense, oui. Je t'aime tellement, ma petite maman.